Coucou mes loulous, je vous présente le futur tuto. Je pense que je vais le faire demain et vous le mettre en ligne demain. Ça sera une carte pour la fête des mères. Donc, où on peut mettre une photo. Donc, d'un côté, vous mettez la photo. J'ai pas fait de déco, c'est vraiment mon prototype tout simple. Papier déco avec un joli. Et là, votre petit mot. Et c'est ce qu'on appelle une carte coulissante. Voilà. Donc, futur tuto pour la carte des fêtes des mères, je vous le présente et demain je vous fais la vidéo. Je vais vous montrer aussi les nouveautés que j'ai trouvées chez Action. Alors, je le trouve super joli. C'est le bloc pour faire, vous savez, les journaling. Et franchement, magnifique. Magnifique sur le thème un peu nature. Regardez-moi ça, il est super, super beau. Alors, vous savez, vous avez deux planches à chaque fois. Hein. Bon, par contre, alors là, le design, celui-là, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Hein, mais bon, comme d'habitude, une feuille très épaisse, une feuille souple. Bon, c'est comme d'habitude, hein, il y a des designs qui sont très beaux, mais il y en a qui sont un peu moins bien. Celui-ci, par contre, voilà, de toute beauté. Donc, une feuille épaisse, une feuille souple. Ça. La nature, regardez-moi celui-ci, comment il est trop trop beau. Celui-ci est super. Ils auraient dû continuer à faire. Bon, celui-ci encore ça va. Celui-ci, bon, on dira tout simple. Hein. Et des mots, alors c'est toujours en anglais, c'est bien dommage, mais bon, ça nous fait des mots et des magnifiques cartes. Pourquoi ils nous ont pas fait des papiers comme ça? Mais bon, ça c'est toute autre chose. Donc, ce bloc-là, le journaling design pad. J'ai pris aussi celui-ci, le Creative Paper. Alors, celui-ci est sur le thème de la fête. Et franchement, il y a des papiers. Alors, ça, c'est les grandes, grandes feuilles, hein, un peu style papier de riz, très, très, très souple. Alors, il y a des feuilles, bien sûr, dedans, toutes fines. Mais regardez-moi ça. Comment c'est trop joli. Bon, ceux-là, ils sont tout simples, mais vous voyez, regardez. Super sympa. Alors bon, thème de la fête avec la nature, hein, on dira que bon, après ça revient, hein, c'est les mêmes hein, en double hein. De très belles cartes, d'autres petites cartes, franchement elles sont très jolies. Bon, il y a la fête et le café hein, on ne sait pas pourquoi, mais il y a la fête et le café hein, des tags, des mots. Là, c'est pareil, c'est des petites choses qu'on peut mettre, puis on glisse une photo, c'est super sympa. Bon, il y a deux pages, hein, pareil à chaque fois. Ça, c'est des beaux stickers, des stickers, et on retrouve d'autres papiers avec les mois de l'année, bah, tout ce qu'il faut pour faire un journal. Hein. Il y a aussi colorisation de pages, et vous allez voir que dans le deuxième, c'est plus joli. Les mois de l'année, là il y a une pochette, un nœud papillon, enfin deux nœuds papillons. C'est sympa. Puis après, voilà, ça recommence. Hein. Puis bon, à la fin, vous avez une pochette avec. Par contre, il était très mal coupé celui-ci. Une pochette où on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et le deuxième, bah, c'est le Creative Paper Collection. Mais là, c'est sur le thème Gourmandise Café. Et là, franchement, toujours les papiers là. Hein. De magnifique design, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Faire un album. Alors, c'est des papiers très fins, c'est dommage, mais regardez-moi ça. Donc, les faire en photocopie sur du papier plus épais, franchement, ça vaudrait le coup parce que, waouh, les papiers sont superbes. Regardez-moi celui-là. La cookie, tout, là. Franchement, bon, c'est toujours les mêmes. Hein. Regardez-moi, c'est magnifique. Carte, alors là franchement j'ai adoré, je les trouve superbes, c'est vraiment waouh, le derrière est aussi joli que le devant, regardez moi ça comment c'est trop beau, les petits tags pareil avec les mots hein, en anglais, good morning, IT, les petits trucs là, regardez moi ça comment c'est super joli. Et ça même, ça me donne une petite idée là pour une couverture d'album. Là, ça peut être super sympa. Bon, laissons un petit. Oh oui, ça me donne une idée. Ça me donne une idée.
Rien qu'à voir comme ça. Alors là, c'est les stickers. Ouais, à voir comme ça, ça me donne une idée, là. De couverture. Vous voyez, les beaux stickers. Donc, deux planches à chaque fois. Et les autres images. Franchement, superbe. Superbe, superbe, superbe. Et là, les trucs pour coloriser, là, sont vraiment très beaux aussi. J'aime beaucoup l'image comme ceci. Franchement, il est très, très beau. Là, c'est pareil, c'est une pochette avec des étiquettes. Bon, bah, puis c'est le même truc, hein. Calendrier. Franchement, super joli. J'ai beaucoup aimé. Donc, moi, j'en ai pris deux parce que j'ai quelque chose à faire avec. Et pour aller avec, bah, j'ai pris celui-ci, la collection Moment Note, ouais, super accent anglais, hein, comme d'habitude, où vous voyez tous les papiers dedans. Ils sont légèrement brillants, avec... oh, c'est joli. Par contre, dans celui-ci, une feuille toute blanche. Bon, d'accord, ok. Celui-ci, c'est une feuille un peu crème, avec comme des soleils, on les voit à peine. Des petits papillons, des cactus, bon, du feuillage. Alors, il y en a une toute simple et l'autre est légèrement gaufrée. Oui, il y en a une toute simple et il y en a une qui est un peu brillante. Des petits pois, c'est pareil, voilà. Une simple et une avec des reliefs, des gouttes. Du feuillage, je le trouve, ça va, ça va. Il y a de quoi faire, j'ai déjà mon idée en tête de ce que je veux faire avec celui-ci. Donc, des feuillages, des gros papillons. Vous voyez, là, je voudrais peut-être mieux voir, là. Vous voyez, il y en a une qui est, voilà, un peu brillante et une tout à fait normale. Oh, ça, c'est joli, ça, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, il y a des points brillants, c'est joli, j'aime bien. Bon, puis après, on recommence, hein, hop, 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 c'est reparti. Pour des petits points. Et voilà. Mais pour faire un album, j'ai déjà une idée. Donc, il va être, voilà, il a un peu de glitter dedans, pas énorme, mais un petit peu de glitter dedans. Donc, je vous remontre, mes loulous, ma petite carte pour la fête des mères qu'on fera en tuto demain. Voilà, avec une photo que l'on peut intégrer dedans. Donc, c'est pas une idée de moi, hein, c'est une idée de Ange Scrap. Sauf que moi, j'ai complètement changé les dimensions. Donc, j'essaierai, ou on peut le mettre comme ça, hein. On peut la donner dans ce sens-là, mettre le mot comme ceci et une photo comme ceci. Et faire sa déco dans ce sens-là. Et on referme, voilà. Je trouve que l'idée est super sympa. Moi, j'ai juste vraiment agrandi. Et je vais essayer demain, on essaiera de la faire un petit peu plus grande. Pour des photos beaucoup plus grandes. Voilà mes loulous. Sur ce, je vous dis à demain pour faire le tuto. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai enfin trouvé mes cercles pour la broderie. À Zeman, à 3,99€ avec les aiguilles. Donc là, j'ai de quoi faire avec les aiguilles. Moi qui n'en avais pas beaucoup. Là, j'ai de quoi faire toute grosseur, tout truc. Pour les junk, ça va être bien ça. Donc franchement, super contente. Voilà mes loulous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.